Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis très très heureuse car je vais vous faire une vidéo make-up. Alors tout d'abord je vais vous présenter ce que j'ai acheté sur Maquilalia, Maki Beauty, anciennement Maquilalia, donc c'est un site espagnol, vous n'avez pas de frais de douane, il y a souvent des promos, on a de super marques dessus comme Make-up Revolution, Essence, Milani, enfin il y a de tout, Fructis, etc. Moi j'aime bien commander aussi mes soins pour les cheveux dessus, mais tout d'abord on va commencer parce que j'ai acheté. Donc il y avait ce jour-là la promotion 1 acheté, le deuxième à 40% sur plusieurs marques dont Make-up Revolution. Donc je me suis pris cette palette. Alors c'est pas celle-ci que je voulais, vous allez voir, l'autre c'est une pépite, mais celle-là que j'ai pris en second. Alors je la voulais aussi, mais c'est pas celle que je préférais. Donc elle s'appelle la Revolution Pro New Neutral Passion Palette. Elle est super jolie, déjà le packaging est magnifique. Alors elle est arrivée dans sa petite boîte, vous voyez, qui est de la même couleur que la palette d'ailleurs. J'ai trouvé ça super beau, super classieux. Et elle se présente donc de cette façon. Alors, vous avez un grand miroir que je vais cacher pour ne pas vous éblouir. Et vous avez de super couleurs, mais vraiment trop trop jolies. Alors, c'est plus quand même dans les neutres, mais en ayant quand même des couleurs un peu foil. On a des paillettes, on a du satiné. On a des mats, beaucoup de mats, ça m'a beaucoup plu parce que souvent on en manque. Et là on a quand même des nudes, vous voyez on a des mats très très nudes là. Ça c'est bien pour les creux de paupières, des fois j'en manque, ah ça y est je m'en suis mis dessus. On a celui-ci, ce top là qui est un peu grisé, qui est super beau aussi. Ensuite on en a un là, satiné, un petit peu pailleté, qui ressemble fortement à ce nude là. Donc je me dis que ça peut faire une très belle association. On a des violets comme des rosés, super jolis. On a un petit peu de corail. On a ici un rouille, trop beau. Alors vous allez voir, je vous ai fait une petite vidéo que je vais vous mettre tout juste à côté, des fards de pupille. Alors c'est un doré argenté, il est vraiment trop beau. Il n'est pas trop jaune parce que je trouve que souvent, les dorés sont trop jaunes. Et du coup, ça gâche un peu. Mais là, ils sont vraiment super jolis. Donc je vais vous faire quelques petits swatchs. Alors tout d'abord on va swatcher ce violet là qui m'intrigue là, il est vraiment trop beau. Alors waouh. Alors il y a beaucoup de paillettes, il va falloir faire attention parce que ça risque de voler. Oui ça vole un petit peu. Regardez-moi cette beauté, oh là là il me tarde de me servir. Ouais vous voyez j'ai plus rien sur les doigts donc c'est vraiment des paillettes presque libres. Donc il faudra quand même mettre une petite base dessous parce que sinon ça va voler de partout. Je suppose que celui-là c'est pareil. Ouais, il est légèrement plus crémeux. On sent au prélèvement que c'est... Oh là 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 là. C'est un argenté doré, comme je vous disais. C'est pas vraiment un doré ni un argenté. C'est entre les deux. Il est vraiment trop beau. Oh, mais il est magnifique. Mais regardez-moi les reflets qu'il a. Il est trop beau. Alors par contre, ça creuse, ça fait des trous. Faites doucement parce que là, sinon... Ensuite, j'ai bien envie de tester celui-là qui est très joli. Là, il est très beau. Alors, voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, il est lumineux, il est vraiment très joli celui-là aussi. Et on va se faire ce petit, alors ça, il m'a l'air un petit peu holographique, il est entre violet et bleu. C'est un violet bleuté, un petit peu lilas, de toute façon c'est super à la mode à ce moment, et il est lumineux aussi. Il a quelques reflets. C'est super joli. Mais je pense que quand même pour cette palette, il va falloir mettre une base d'accroche. Hein. Surtout pour cela. Parce que sinon, on va vraiment... tout va tomber là et ce serait vraiment dommage. C'est super. Mais il est crémeux. Le... Ouais, mais et ça tient. Hein, même sans base. Truc de dingue. J'ai vu Ayo Coralie en faire une revue. Mais elle a fait un make-up coloré. 28 fards à l'intérieur. C'est la Patricia Bright, alors c'est la noire, hein, parce qu'il y a aussi une blanche. Donc là, c'est la Patricia Bright noire, Rich in Color. Alors, je ne sais pas si c'est le nom, ouais, si ça doit être ça. Je vois que cette palette est Cruelty Free. Voilà, pour les intéresser. Donc, elle est métallique. Hein. On a un énorme miroir, donc je vais le retourner pour ne pas vous éblouir. Et là, non mais regardez-moi ces couleurs. Magnifique. Oh, mais alors moi quand j'ai vu toutes ces couleurs, on a même des couleurs néon à travers. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte là. On a des couleurs néon, on a des couleurs pastel, enfin on a du lumineux, on a de la paillette. Oh, on a mais du mat, de l'irisé, on a de tout dans cette palette.
Donc moi, celui qui m'intrigue le plus pour l'instant, c'est celui-là. Donc je vais vous faire un petit swatch. Et je pense qu'on va se maquiller avec cette palette d'ailleurs. Il est trop beau, trop beau. Mais de toute façon, je ne doute pas de la pigmentation parce que j'avais vu, comme je vous dis, une revue de Ayo Coralie. Il est là. Alors, il est pas, il n'a pas l'air très, très pigmenté, celui-là. Quoique, si, si, maintenant que je me vois dans le miroir. Si, 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 parce que j'ai un miroir en dessous pour me maquiller. Ensuite, alors, ce vert-là, c'est un vert bleu. Mais il est trop, trop beau. Oh, choquée. Je suis choquée. Non mais regardez-moi ce vert bleu là, magnifique. Bon, je sais pas combien de fois je vais dire magnifique dans ce haul, mais dans cette vidéo, mais j'aime trop quoi. Et celui-là, alors celui-là il est un peu lime, un peu citron, c'est un vert un petit peu citronné. Citron vert, hein, je dirais. Oh, ils sont trop beaux. Mais ça va faire une association de verts, ça, mais magnifique quoi. Oh là là, mais regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Regardez-moi comment il est trop, trop beau. Je verrais bien ça, dégradé avec ça. Mmh, une beauté, une beauté, une beauté. On va faire aussi le petit jaune, là, ici. Bon, je ne vais pas tout vous swatcher parce qu'on va aller le swatcher sur les yeux. Hein. C'est souvent bien plus parlant. Alors là, le jaune, hein, souvent, on a des jaunes dans les palettes mates qui ne sont pas pigmentées. Et là, je peux vous dire que c'est tout le contraire. Voilà, voilà. On va se faire quand même un petit foil. Alors, on sert le rouge, là. C'est le Flames, celui-ci. Alors, je ne vais pas appuyer trop fort. Très beau, très beau, très beau aussi. On va le mettre là, entre les deux, là. Ouais, c'est de la paillette, mais qui a quand même une base d'accroche. Hein. Voilà. Ça a l'air d'être pas mal, tout ça. Donc, on va se maquiller avec ça. Mais j'ai un dernier petit achat à vous montrer avant. Donc, j'ai voulu prendre aussi ce bleu turquoise un peu vert. Donc, c'est un crayon qui s'appelle Kajal Pencil de chez Essence. C'est le Feel the Maritime, le 25. Alors, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, donc je peux déjà vous en parler. Au swatch, il est parfait. Parfait, parfait. Dans la muqueuse, il tient, mais c'est pas encore assez intense. Je trouve que ça n'accroche pas assez encore, il faudrait comme une base, mais moi j'aime pas mettre des bases dans les muqueuses. Je vois plusieurs personnes faire ça, mettre de la base plus ça et ok ça marche. Mais je suis pas très fan, moi je préférais un crayon qui marque bien. Sur le swatch il marque nickel. Hein. Donc du coup ce que je fais moi c'est que je mets un gras de cils mais dessous. Je le mets pas tant pis dans la muqueuse parce que de toute façon ça tient, enfin c'est pas que ça tient pas, c'est qu'il se voit pas assez intensément. Donc voilà. Allez c'est parti, donc on commence tout de suite. Alors si je regarde en bas, c'est normal, mon miroir est là, hein, il est juste en dessous de moi. Donc j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, mais quand je vois toutes ces couleurs là, ça me donne trop envie, même si le teint n'est pas terrible. J'ai dû mettre un éclairage là, vite fait, mais bon. Appliquer le L Agent, ce petit crème là. Je vais le mettre, c'est un petit peu poudreux, je vais le mettre ici sous l'arcade. Pour aider, d'ailleurs c'est de la même couleur de ma peau, c'est ce couleur chair là, il est plutôt pas mal. Et juste avant j'ai mis de la base, hein. J'ai mis celle-ci, j'ai mis le primer, la You Are Primer, il est pas mal. Hein. J'ai bien envie de prendre la couleur là, qu'est-ce que c'est que cette couleur? Yes Peaches, alors c'est un rouge un petit peu coquelicot orangé. Je le trouve très très joli et je prends un petit pinceau comme ça pour aller plus facilement dans le creux. Et je vais plutôt tapoter plutôt qu'estomper. Car moi j'ai de petites paupières. Voilà. Donc je remonte, j'hésite pas à remonter. Et n'ayez pas peur, ça va pas rester comme ça. Ensuite j'estomperai un petit peu les bords. Mais là pour l'instant je préfère déposer la matière pour avoir une base bien colorée quand même. Mais vous voyez que franchement... elle est vraiment pigmentée cette palette. Et encore moi comme je vous dis, moi j'ai mis une base toute simple. Je pense que si j'avais la Pélouise là, ce serait encore mieux. Alors maintenant je ne sais pas si vous avez vu, mais la Pélouise est arrivée chez Morphe. Et Morphe est arrivée en France, enfin en Europe il y a quelques semaines, quelques mois. Et là vient d'arriver Pélouise, il y a quoi, il y a 3 semaines, un mois. Et je pense que je vais finir par me la commander cette base. En plus en ce moment il y a plein de promos sur Morphe là. Et comme c'est basé en Europe, ils ont sorti le site européen, il n'y a pas de frais de douane.
Et il me semble bien que les frais de port sont gratuits à partir de 30 ou 35 euros. Donc pff, voilà quoi, c'est tout à fait faisable. Hein. Plutôt un peu estompeur comme ça, sans matière. Et je vais estomper un petit peu. Donc c'est plutôt joli. Bon, pour le moment, ça ressemble à rien. C'est tout à fait normal. Ensuite, alors, je vais prendre ce pinceau-là. Oui, voilà. C'est un Jessup Luxe Lover Shader. Donc celui-là. Et je vais prendre donc ce jaune. Ce jaune magnifique là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, le jaune qui est ici, le vitamine C, porte bien son nom celui-là. Je tapote un peu et je vais donc estomper les bords avec ce vitamine C là. Ça fait un joli orangé. Alors c'est pas le pinceau qui va, il est trop là. Ça va mieux déjà. Je pensais que comme il était un peu fourni, ce pinceau, il irait mieux, mais voilà. Alors déjà, on voit que déjà, ça estompe plus en douceur. Voilà, c'est déjà plus joli. Que ça m'énerve d'avoir les paupières aussi tombantes. Je peux même pas laisser les yeux ouverts pour estomper, quoi. Il y en a qui laissent les yeux ouverts pour estomper, moi, je peux même pas, quoi. Voilà. Ouais, faut que j'arrange ça avec un pinceau encore plus petit, donc un plus petit comme ça. Et voilà, je vais déposer sur les bords. Ah voilà, c'est mieux. L'autre, il était trop gros. En fait, j'ai des yeux tellement petits que les pinceaux, il faut qu'ils soient plus petits aussi que la normale. C'est chiant, mais c'est chiant d'avoir les paupières tombantes comme ça. Et vous voyez qu'il y a un œil plus réussi que l'autre. Le droit est toujours mieux réussi que le gauche. Je viendrai, ça va pas rester comme ça non plus. Ensuite, je viendrai retravailler le dessous de sourcil. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. C'est le Jessup 230 Luxe Pencil. Alors, il est plus petit. Je vais reprendre le coquelicot là que j'ai pris au départ. Et je vais relier un petit peu ici. Voilà, un petit peu au ras de cils là. Alors, je vais pas aller... je reste vraiment sur le bord. Hein. Je vais pas... Vous voyez là. Là, il a manqué un petit peu, donc je raccorde les deux, là, sinon ça fait pas joli. Voilà. Maintenant, je viens prendre un petit pinceau comme ça, c'est le 231 Luxe Petit Crease. Voilà, toujours de chez Jessup. Alors, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est un peu les dupes des Zoeva. Hein. Marion Calvé-Léon les avait même testés, elle en avait parlé, elle avait dit que vraiment, ils étaient pas mal, et beaucoup de personnes le disent d'ailleurs. Donc moi je suis très contente de m'être acheté ce lot. Je l'ai commandé sur Amazon pour 9 euros je crois. Et vous l'avez aussi sur AliExpress, donc faut pas hésiter, franchement ils sont super. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier un peu le creux avec ce rouge Miss Tropicana. Il est un peu plus intense, enfin il a l'air un peu plus intense, un peu plus rouge. Donc je le mets dans le creux mais plus bas. Là je vais le mettre vraiment vraiment dans le creux. Alors que l'autre, je l'avais remonté un petit peu plus. Donc là, je ne remonte pas, je reste vraiment à la base du creux. Alors, ne vous en faites pas si je mets ça n'importe comment, c'est normal. Parce que je vais venir faire un cut crease. C'est pour ça que c'est pas parfait, ça paraît encore tout décousu, mais ça va s'arranger. Donc, je viens prendre mon primer, là, je vais faire un cut crease avec. Alors, vous allez voir, ça va pas devenir très blanc, hein, parce que c'est pas ultra pigmenté, mais ça va me servir. Ça va être quand même suffisamment pigmenté pour recouvrir. Laisser sécher quelques secondes. Et je vais mettre, je pense, un trio de couleurs. Alors, je ne sais pas trop encore. Je ne suis pas... Ouais, c'est presque sec. Je ne suis pas décidée encore. Mais comme on a cette couleur-là qui me plaît pas mal, je pense que celle-là, je la mettrai en centre sur une autre couleur. J'ai mis peut-être en train de top coat, voyons qu'est-ce que ça donne ça. Ah oui, ah bah, c'est vraiment... Ouais, c'est une paillette top coat. Ouais, quoique... ça suffit à elle-même quand même. Oh, ça brille de ouf. Ouais, mais ça c'est sûr, je vais l'utiliser. Je vais prendre un pinceau plat comme ça, c'est le Cream Shader. Voilà. C'est le toujours le Jessup, le 233. Et je vais prendre... Alors j'avais envie de ce bleu vert, là je vous avais dit ce bleu vert, j'ai envie aussi de ça. Mais ouais, ça risque de faire un peu beaucoup là. Quoique, hein, on a dit qu'on était parti sur un make-up coloré. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais. Vous croyez qu'il se mélangerait bien avec le violet là aussi?
Alors, bon, écoutez, on va commencer par celui-là parce que c'est celui qui me tape le plus dans l'œil. C'est le Rich Rich, là, le bleu vert, un peu turquoise. Alors, je vais le prendre au pinceau. Ça a l'air d'aller et je vais le mettre. Alors, est-ce que je le mets au fond? Je vais le mettre ici. Wow. C'est magnifique. Alors, comme je vous dis, si j'avais une base blanche, ça aurait été encore mieux, mais là, franchement, super. Hein. Franchement magnifique, magnifique, magnifique. Écrire la couleur, mais il est vraiment magnifique. Il fait vraiment vert tropical, là, vous savez, qu'on voit un peu partout, là, l'été, là. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Bah écoutez, on va se mettre le jaune, hein. Moi j'ai trop, quoique le vert lime, là. On va se mettre le vert lime avant. Il est tellement beau. Alors, essayez celui-là, le Green Juice. Qu'est-ce qu'il est beau. Waouh. Il me faut vraiment une base. Il me faut vraiment une base parce qu'il rend pas. Ma base n'est pas blanche et franchement, je le regrette. Mais il est très beau, hein, franchement. Si j'avais une base blanche, là, il aurait été magnifique. Vous voyez, je laisse encore une petite place parce que je pense que je vais mettre le jaune à côté. Il va y avoir la blende de couleurs sur ce maquillage. Alors là, je viens estomper entre les deux couleurs parce que sinon ça va pas être joli. Alors pour le moment, ça donne ça. Alors, on va voir que je range un peu partout, hein, n'ayez pas peur. Ça ne va pas rester comme ça. Et maintenant, on va se mettre donc le jaune, le vitamine C. Alors j'espère qu'il va être. À moins que je mette l'autre, là il y a le vitamine C là. Et ici on a le Money. Ouais, peut-être celui-là plutôt. Il est un peu crémeux, donc je pense qu'il accrochera mieux. Ouais. Et en plus, il est plus lumineux. Il est là. Il est plus lumineux. Donc je vais prendre un pinceau plus petit. Je vais prendre ce pinceau qui est plus petit. C'est toujours un Jessup. Non, ah non. C'est un Anmor Medium Shader Brush. Je sais pas où j'avais eu ça. Je sais pas où je l'ai acheté. Donc on va prendre le Honey Pot. Qui se trouve ici. Et alors, il est un peu, ouais, il est crémeux celui-là. On le voit quand on passe le pinceau à l'intérieur, puis on le sent. Et je vais le mettre là. Ouais, voilà, c'est mieux. Du coup, ça rajoute une couche de luminosité qui manquait un peu parce que là, j'ai mis beaucoup de mat en fait. Voilà, et j'estompe entre les deux couleurs en même temps. Hein. Alors, je tiens à dire que je suis pas pro, hein. Moi, je fais ça pour m'amuser. Donc, si c'est pas au top du top, hein, ne m'incendiez pas. Je fais ça en freelance. Je fais ça à ma façon. Je fais ça à la Céline et ses combines, comme je dis. Alors, au fin fond, là, maintenant, je mettrais bien un bleu finalement, hein. Après avoir mis ce vert, alors j'hésite entre ce bleu très foncé, là, le Marine Nobu, ou le Ocean Deep, ou même, je dirais, le Backstage. Mais j'ai peur que le Backstage, là, il se mélange, il se confonde un peu trop avec l'autre. Parce que quand même, il se ressemble. Je sais pas trop, en fait. Mais j'ai peur que le bleu marine, ça fasse un peu trop. Quoique, allez, on a dit qu'on mettait des couleurs. Allez, je vais mettre le marine qui se trouve ici. C'est le Nobu et je garde ce petit pinceau parce qu'il va super bien. Je vais le nettoyer là sur une petite serviette. Donc j'ai dit quoi le Nobu? Donc je prends le foncé. Il a l'air très pigmenté. Donc je vais faire gaffe. Bon attendez, j'ai peur que ça chute ça. Non, ça va, ça chute pas. Je vais en rajouter. Parce que du coup j'en ai trois levés. Waouh! Mais il est magnifique. Ouais, finalement, ça va bien ensemble. Je vais essayer de faire une forme un peu étirée. Sans trop, parce que moi, j'ai des ridules sur le côté. Et du coup, ça va dans les ridules. Donc là, il faut que je remonte de ce côté un petit peu. Alors, je vais prendre un plus petit pinceau encore. Parce que vous voyez que quand on a les paupières comme moi. C'est pas très très facile tout ça. Donc je prends un tout petit comme ça. Bon là il n'y a pas de marque. C'est un truc que j'avais eu je sais pas où. Et je vais arranger ça. Voilà. Voilà, j'ai fait des traces parce que j'ai les mêmes pleines de. Ouais, je me suis mis du jaune et tout. J'ai les mêmes pleines de swatch.
Donc je m'arrangerai ça après avec les points. Il faut pas, n'ayez pas peur, faut pas prendre peur. Non mais vous allez me prendre pour une tarée à force. Voilà, comme un liner en fait, ouais. Pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Sauf que là, il est raté mon liner là de ce côté. C'est super joli, mais moi j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Alors je vais me prendre un pinceau propre comme ça, assez long, et je vais un petit peu fouetter le tout là, que tout se mélange dans le creux. Surtout ici là, parce que comme je suis montée trop par rapport à l'autre. Et en fait, il n'est pas assez dur ce pinceau. Il faut que je fasse un pinceau un peu. Voilà. J'ai un petit peu nettoyé là avec la base les bordures et j'ai ajouté donc dans la muqueuse et sur le bord du ras des cils le crayon essence que je vous ai présenté là. Hein. Il est pas mal. Franchement, pour ça, il est très bien. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais pas reporter toutes les couleurs, mais je me demande si je ne reporte pas un petit peu de coquelicot juste en dessous. Par peur que ça fasse un peu trop, quoi, que je crois que je vais laisser comme ça en fait. Je vais rien reporter. J'ai un petit peu enlevé le rouge que j'avais mis ici tout à l'heure. Ouais, non, je pense que je vais rester comme ça. Là, je vois que j'ai fait un trou. Alors, je vais arranger un petit peu. J'ai fait un trou ici. Il y a une tache là. Voilà. C'est arrangé. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, je sais que c'est pas parfait. J'ai fait un peu. À ma façon, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais nettoyer un petit peu le ras des cils, hein, parce que là, c'est un petit peu gros quand même. Donc, je vais reprendre de ma base, je vais en mettre un petit peu sur un tout petit pinceau. Je vais faire d'ailleurs avec l'embourmousse, il est pas mal, hein, ce petit embourmousse. Donc, je mets un petit peu de base dessus. Et je vais nettoyer les... Oh non, il y a du bleu dessus. J'avais oublié que je m'étais servi de ça pour mettre du bleu. Donc, je vais prendre ce tout petit pinceau. Et je vais faire avec ça, donc. Voilà. Je vais juste nettoyer un petit peu ici, que ça soit un petit peu mieux, parce que je suis un petit peu trop remontée avec le jaune. Voilà, c'est déjà mieux, c'est plus propre. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je trouve qu'en plus, ça définit un peu plus les sourcils. Voilà, c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est mieux. À mettre ces petites paillettes en coin interne parce que je les trouve tellement belles. J'ai peur de gâcher le bleu là si je les mets sur le bleu. Je sais pas, j'ai envie d'essayer, mais je vais essayer. Donc je vais prendre ces petites paillettes, les Wow. Moi d'ailleurs, elles portent bien leur nom. Moi j'en ai pris peut-être un peu beaucoup. On va faire doucement. Juste quelques-unes. Voilà, ouais, juste quelques-unes. Que ce soit discret. Parce que je voudrais pas gâcher le bleu, ce serait bien dommage, il est tellement beau que j'ai pas envie de tout recouvrir. Bah en fait ça tient tout seul, il n'y a pas besoin de base pour ça. Mais après je pense que si on veut faire un charbonneux et on met ça par-dessus, ça doit être magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est que un coin interne. Alors, j'avais vu dans l'autre palette, souvenez-vous. Ce joli doré que je vous disais qui était doré argenté et je pense que je vais le mettre en coin interne. Aujourd'hui le make-up est coloré, pailleté et ça s'appelle le 247. Ouais, bizarre comme voilà, alors magnifique, magnifique. Mais qu'est-ce que j'aime ces deux palettes. Alors c'est discret, non, on va pas dire que c'est discret, on va dire que c'est... J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Elles sont magnifiques. Donc je suis super contente. Bon là, vous me voyez tout excitée parce que franchement, je suis tellement contente. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le mascara hors caméra et je reviens. Et voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué donc ce mascara. Alors c'est le Sexy Pulp Volume Extrême de chez Yves Rocher et franchement, je suis pas déçue. Je l'avais eu en cadeau dans, dans une commande. D'ailleurs, j'ai fait une commande Yves Rocher là. Donc, bientôt un petit Yves Rocher. J'ai cracouillé. Et je suis contente. Franchement, pas mal. C'est vrai qu'il fait pas mal de volume. Bon, moi, j'ai des cils à la base qui sont vraiment pourris. Droit, sans volume, court.
Donc pour moi, ce que j'ai sur moi, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que je voulais mettre des faux cils avec ce make-up, mais je suis pas douée en faux cils, donc vraiment, j'ai même pas essayé. Et ensuite, comme rouge à lèvres, je suis venue mettre un espèce de nude un peu orangé. C'est un NYX Lip Tease. Et c'est la couleur Popine. Voilà, oui, Popine. Et j'aime beaucoup. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Et franchement, les NYX, je les adore. J'aime bien cette couleur. Je trouve que ça va bien ensemble. Que je pense de cette palette? Alors, franchement, un véritable, véritable, véritable coup de cœur. Alors, je pense que je vais bientôt vous refaire un make-up parce que cette couleur m'appelle là. Et j'ai bien envie de le filmer. Moi, j'ai beaucoup aimé le Wow aussi. Il est vraiment super beau. Oh, les couleurs, mais franchement, les couleurs mates et tout. Là, je suis en train de regarder en même temps dans mon miroir. Les couleurs mates, nickel. Les couleurs irisées, pareil. Celui-là m'intrigue aussi, là, ce petit lilas, là, un peu irisé. Donc, je pense que bientôt, on se refera un petit make-up. Et franchement, j'adore. Hein. Vraiment, je suis fan. Le crayon, très bien. Bon, par contre, je me suis mis des paillettes un petit peu partout. Mais sinon, ben, écoutez, ce que vous pensez de ce make-up, moi j'aime beaucoup et ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas filmé que vraiment je suis ravie, ravie, ravie. J'espère que ça vous aura plu et je vous laisse avec les pots.